Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. Et une petite vidéo donc d'instruction pour un motif. Donc, super sympa, vous avez vu avec le verso, c'est très différent. Donc là, on a comme des petites boules 3D. Voilà, on a une rangée avec des petites boules comme ça, puis une rangée avec des mailles serrées. Donc j'ai travaillé tout ça avec mon crochet de 6. Donc c'est parti, donc je vous montre. Donc bien sûr notre nœud magique pour commencer. Et je vais faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc une chaînette de 14 mailles. Ok. Et donc maintenant, je vais commencer mon travail. Et ça va être ma base. Et donc là, je vais faire le demi-tour avec des mailles serrées comme ceci. Ok, bon, ça, c'est terminé. Donc, très simple. Hein. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail et je continue, donc je pique ici et je fais encore maille serrée et je vais continuer et commencer mes motifs. Donc je fais un jeté, trois mailles sur l'aiguille maintenant. Voilà, je fais comme pour un bride mais je ne continue pas. Je continue avec un autre motif de bride, donc avec un jeté et à travers deux mailles. Et du coup, j'ai trois mailles de nouveau sur l'aiguille. Et je continue à faire une autre, un troisième et une quatrième bride non terminée. Donc au final, j'ai les 5 mailles qui sont représentées, qui représentent donc les brides que j'ai commencées mais pas terminées. Et je fais passer donc un fil au travers de toutes ces mailles. Ok. Donc on commence, on a commencé à faire notre boule. Donc je vais faire une maille serrée juste ici maintenant pour tout fixer et resserrer le tout. Voilà. Donc on a notre premier motif. Ce que ça donne plutôt cool. On continue. Donc je fais ma maille serrée et je continue. Et je fais donc mon jeté et je commence du coup une première bride non terminée, une deuxième bride non terminée, la troisième, la quatrième et maintenant les quatre. Donc demi-bride que l'on termine comme ceci et on fait notre maille serrée ici. Voilà. Donc on a notre deuxième motif qui se dessine. Voilà, notre deuxième boule. Voilà, en fait on fait deux débuts de bride. Enfin, quatre débuts de bride. Pas. Deux, trois, numéro 4 et on passe à travers le tout. On continue avec une maille serrée, enfin, numéro 3 hein. Et donc je continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà le résultat, donc quelque chose de super sympa. Donc on en obtient 6, 6 boules comme ça, donc c'est vraiment cool. Et maintenant je vous montre comment on réalise donc la rangée entre ces motifs là. Donc je fais une maille en l'air, hein. Je tourne mon travail. Et là, je vais faire une maille serrée dans toutes les mailles que j'ai trouvées.
là dans toutes les mailles je fais une maille serrée. Je vais réaliser une maille serrée le long de toute la rangée. Hein. Et voilà, quand j'arrive à la fin. Parfait. Voilà le résultat. Et maintenant, on fait une maille en l'air. Et on tourne en un. Donc là, je vais pouvoir commencer avec deux mailles serrées cette fois-ci. Ok, et donc là je continue, encore rajouter, 1, 2, 3, et le quatrième, enfin la quatrième, pardon, et on passe au travers de toutes les mailles, et une maille serrée, et on continue donc notre petite boule, 1, 2, 3 et 4 et on fait passer ensuite donc notre fil dans les 5 mailles. Voici hein. La première, la deuxième. Parfait. Et donc vous voyez l'effet avec le, voilà, on a tout qui rentre bien dans les différentes rangées. Ça se cale bien. Super top. Donc on peut faire ça jusqu'à la fin. Hein. Ok. Donc là, on va laisser comme ça. Puis je vous remonte de devant. Hein. Vous avez vu, ça nous fait bien les petites vaguelettes. Et puis on n'en a plus que 5. Voilà. Donc, parce qu'on a remplacé par les deux mailles serrées. Et en arrivant. Donc je fais de nouveau ma maille en l'air et je vais faire toute ma ligne de mailles serrées. Ok. Et en plus, on peut continuer donc avec la rangée suivante. Hein. Et après, on répète tout le temps, comme ceci. Ok, après on peut réaliser donc moins de ces petites boules en faisant, voilà, en commençant comme je l'ai dit avec deux mailles serrées et en terminant avec deux mailles serrées sur la rangée. Et donc là, je vais recommencer. Voilà. Donc on voit le résultat, hein. Donc on a une rangée avec 6, une rangée avec 5, une rangée avec 6, une rangée avec 5, une rangée avec 6, une rangée avec 5. C'est pour avoir les boules qui se calent bien les unes aux autres, comme ceci. Pas qu'elles soient les unes sur les autres, ça serait moins sympa. Voilà. Donc je trouve ça vraiment super hein. Comme motif. Donc après, bon, vous avez peut-être des idées hein, pour réaliser des petites choses avec ce petit motif. Donc on fait des petits sacs, etc. Donc plein de petites idées possibles. Donc c'est vraiment chouette. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires si vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo de bricolage, de démo, d'expérience. Allez, on se dit à très vite. Salut !